Bonjour, je suis Georgette de Pénélope Machine à coudre. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose que l'on peut réaliser avec la Dream Machine, la machine de rêve. À partir d'une image, on peut numériser et aller faire du stippling. Alors, le stippling, c'est un genre de piquage libre pour rehausser une broderie. On va s'en servir beaucoup, soit pour les vêtements, alors texturer les vêtements, ou encore là, pour texturer une belle courte pointe. Alors, je vais vous montrer comment c'est simple. On voit le stippling ici. Je vais aller importer maintenant l'image pour savoir exactement où mon stippling va se faire. Vous avez plusieurs différents stipplings. Je peux aussi aller jouer avec mon stippling. Au niveau de l'écartement, je vais vous montrer. Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de peser ici sur le bouton vert et ça se fait tout ça. Alors, ce que ça va nous donner, c'est un peu comme ceci. Maintenant, ça, celui-là, c'est un stippling très traditionnel. Ce qu'on a comme ajout maintenant, ce sont différents types. On a, avec le stippling traditionnel, 12 remplissages différents, lesquels on peut rapetisser, agrandir. On peut jouer avec la rotation. On peut jouer aussi avec les points contours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre des éléments et les délimiter à savoir où on va les mettre, nos différents stipplings, comme cette belle sacoche. On peut aussi texturer nos tissus. On pourrait après ça aller prendre notre patron, l'appliquer dessus et se tailler une belle veste. Surveillez nos ateliers de broderie sur notre site penelope.ca ou suivez-nous sur Facebook.